bonjour, bienvenue sur Fréquence Autisme avec Dalila et Rikita. Super. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, une vidéo sur Borel Maisoni Geste. Tout un programme. Les montages sont faits par Fréquence Autisme, Loïc le bras droit aux manettes et Dalila en collaboration avec lui. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement, oh merci. Installez-vous confortablement. C'est parti. Se retrouve pour les explications des cartes Borel Maisoni. Alors déjà, on commence par les sons simples, les voyelles, donc qui se composent de A, O, évidemment tous les O, le O A U et le O E A U. Ça fait partie du son O. Et attends, on est où là? On est à oh. Ensuite vient le son et. Ensuite I. U. Alors il y a des gens qui vont faire U et il y en a qui vont faire U. Donc nous on fait U. Ensuite E. Ne paniquez pas si vous voyez ce genre de cartes qui font aussi le son E. E ou E, ça dépend des points cardinaux en France. Donc nous, on est resté avec le E comme ça, parce que Rikita aime bien le E comme ça. Mais le E de base, c'est celui-ci. Mais nous, on fait celui-là. Donc vous allez trouver ce E-là et ce E-là. Donc Rikita, après, quand il voit ça, il sait que c'est E. Il n'y a pas de souci. Donc, ne paniquez pas si vous voyez. On arrive aux consonnes longues, qui est très important parce qu'après, on fait une gymnastique entre les consonnes longues et les voyelles pour faire des syllabes. Et après, c'est une gymnastique de syllabes. Mais il faut que la personne intègre bien le départ des sons simples. Donc, ensuite, vient le son L. L. Vous pouvez quitter à L. M, R, S, V, L, M, X. Voilà, on arrive aux consonnes courtes. Regardez là. P. Ensuite. G. Le son G. D. B. B. Quand on pince le ventre. Hey. Hey. Comme fréquence autisme. Alors moi, ce que j'ai fait avec le GTA, c'est que j'ai fait que des sons simples. Après, j'ai intégré les consonnes longues. Et après, j'ai fait la gymnastique des syllabes. Voilà. Et après, petit à petit, j'ai intégré les consonnes courtes. Et encore, j'ai encore fait des gymnastiques. Pas dépassé deux lettres au départ. Deux lettres en gymnastique. Il faut vraiment être à l'aise pour rajouter trois lettres. Et après, par la suite, on arrive au son difficile. Et au son très, très difficile. Donc, voilà mes explications pour apprendre les syllabes. Nous avons les images. Avant ses 12 ans, Rikita ne sortait aucun son de sa bouche. E, U, I, T, U, U, T, U, S, I, R, O. Très bien. Mu. Nu. Ma. Bravo. Ah.
chaud. Non. Oui. Chaud. Oui. Non. Bravo. Les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, Rikitea. Les petits supports visuels que vous voyez là à l'époque de la vidéo que je vous ai montré, parce que je me rappelle plus où je les ai trouvés, mais si vous tapez je pense alpha syllabe, vous les aurez, je pense, parce que moi je suis passée par les alphas et au bout d'un moment ça ne suffisait pas, parce que les alphas ne sont pas des n'ont pas de méthode de Vorel Mesny. Donc les alphas c'est bien, mais Rikita, il y a eu un moment où il disait S-Cargo à la place de S-Cargo. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Borel Maisonis. Parce que mon fils avait besoin d'entendre le son avec des gestes. D'ailleurs, je dédicace cette vidéo à Corinne. Elle se reconnaîtra. Cette histoire de S-Cargo et de S-Cargo. En fait, c'est comme ça que je suis arrivée au Borel Maisonis. Donc... Corinne, si tu nous écoutes, nous te faisons des bisous. Super. Voilà, donc ensuite, on arrive au son difficile. On y va, Rikitea. En. En, le son en. Ouh. Mouah. Mouah. Ouh. Qui est un O avec un U qui fait OU. Et là, on arrive au son très, très, très difficile. Et c'est vraiment à mettre à la fin de la gymnastique quand on a rajouté. Alors déjà, les sons difficiles, il faut les rajouter quand on arrive après les trois lettres. On fait des syllabes avec deux. Après, on essaye avec trois, mais il faut vraiment que la personne soit vraiment à l'aise. Se mettre des défis quand la personne est à l'aise. Voilà, moi, j'ai fait le défi à chaque fois où j'ai évalué Rikitea. Si je voyais que ça n'allait pas, je continuais pas. Si je voyais qu'il était très à l'aise et qu'il captait tout de suite, je continuais. Donc là, les sons très difficiles. Hey! Why? Nous on aime bien ce E là. Je vois pas la main qui. Voilà. I. I. Hey. Vas-y, Rikita. La maison. Un pain. Oui. Une citrouille. Oui. Un monstre. Très bien. Un masque. Très bien. Une sorcière. Non. Une sorcière. Oui. Un époux. Très bien. Un loup-garou. Très bien. Une araignée. Très bien. Un palais. Très bien. Un squelette. Très bien. Des bons. Une momie. Un diable. Très bien. Un oh. Très bien. Halloween. Super, bravo Rikitea. Et maintenant, place au réel. Nous sommes prêts. C'est la A de avion. C'est le O de
orange, le haut de chaussette, le haut de bateau, le i de écureuil, le i de cahier, le i de ni, le i de bible, le i de stylo, le u de usine, le e de renard, le e de fleur, le e de cœur, le u de lion. C'est le U de robe, c'est le R de robe. C'est le F de fée, le F de éléphant, de serpent, de poisson, de citron, de garçon, de chat, c'est le V de vache. J jumelle, J de girafe, c'est Z de zèbre, Z de maison, c'est de neige, c'est de cellophane, c'est de papillon, c'est le G de gâteau, le G de guitare. Très bien. C'est le M de dinosaure, c'est le B de palais, le A de flèche, le A de reine, fort. Le A de palais, le A de robinet, le K de canard, le K de masque, le T de tortue, le A de fontaine, le A de champignon, le A de temps, le A de tempête, le pompier. Très bien. C'est le roi de roi. Le roi de point. Fort, qui dans son talent. C'est le ou de loup. Très bien. C'est le un de lapin, le un de timbre, le un de fort, le un de peinture. C'est le nuit de montagne. C'est I de yaourt. C'est I de crayon. U de tuyau. Voyage. Il y a des chiens. Il y a des chevaliers. Pieuvre, Ion, de Camille, de fille, de I, de courille. Très bien. Aïe, de épouvantail, de aïe, de paille, ouille, de fenouille, ouille, de grenouille, de écureuil, de œil. Feuille. Aïe de soleil. Aïe de appel. On se retrouve pour des explications. Suzanne Borel est née en 1900 à Paris et décédée en 1995 dans la même ville. Donc, Suzanne Borel est une des fondatrices en France de l'orthophonie. Donc, je trouvais assez judicieux de lui faire un petit clin d'œil et un hommage pour cette femme qui a laissé une trace d'une super méthode. Et je rappelle que cette méthode peut servir à tous les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage de la lecture, hypoacousie, dyslexie et dysorthographie, et même pour renforcer l'apprentissage de la lecture simplement. Je trouve que c'est super comme méthode. Moi, en tout cas, je valide. C'est super. Voilà, donc Rikitea, ça s'appelle le Borel Maisonnie Geste. Le Borel Maisonnie Geste. Donc voilà. Comment ça se compose? Ça se compose d'un phonème ce qu'on entend,
voilà, d'un graphème, ce qui est vu par l'œil, et l'articulation, ce qui est dit. Donc voilà, c'est le triangle. Ça, c'est le triangle du Borel Mézenier. Donc ça se compose comme ça, de petites cartes avec des gestes. Et la personne en situation de difficulté ou de handicap peut reproduire ses gestes pour un son. Par exemple, Rikitea est envahie de sons, donc c'est complètement une rééducation de l'oreille que j'ai fait à Rikitea. Et c'est pas fini, parce que comme je disais dans ma précédente vidéo, les pratiques orobucofaciales sont complémentaires à la méthode que je vous présente aujourd'hui, pour bien articuler et sortir des sons de la bouche. Je voulais vous faire découvrir un site qui s'appelle Lire, Écrire, Compter. C'est un super site où on peut télécharger et fabriquer des cartes de toutes sortes pour apprendre à lire et à écrire, à verbaliser des sons, etc. Ce site est gratuit, complètement gratuit, mais on peut faire un petit don pour les soutenir. Et chez Fréquence Autisme, on adore tout ce qui est partage et soutien, et nous adorons ce site. Vous allez voir, je vais vous montrer des cartes que j'ai sorties de ce site. C'est top, parce que en fait, bon, là il y a la petite fleur des sons, par exemple, Rikitea, qu'est-ce que c'est? Tu me fais le geste? Voilà, la petite fleur des sons, c'est super. C'est un petit blind test, j'appelle ça un blind test. Et on dit un son et Rikitea le reproduit. Par exemple, là, c'est quoi Rikitea? Oh. Super. Donc voilà. Donc tout un tas de petites cartes que l'on peut sortir sur ce site. Bon, ça c'est des cartes quand on arrive très loin dans l'apprentissage de la lecture, mais je trouve que c'est très bien de s'avancer et de fabriquer. Rikitea. Je trouve que c'est bien de s'avancer et de fabriquer des supports futurs. Même si il faut être très patient, tout ne se fait pas en un jour. Des progrès des personnes en difficulté, notamment de mon fils autiste, a été fulgurant. Et du coup, heureusement, j'avais préparé plein de choses après, parce que du coup, j'ai pu les utiliser. Les cartes que j'ai téléchargées pour apprendre l'écriture, le sens de l'écriture, super, dans ce site génial. Il y a ça aussi, plus grand, c'est pas mal, avec un feutre effaçable. Alors moi, j'utilise celui-ci, c'est un feutre Stabilo Open Universal, et on peut mettre de l'eau et après effacer sur la carte plastifiée. C'est super génial, ça fait de l'écologie et ça évite de ressortir toute une panelle de feuilles qui va aller à la poubelle. Donc, super, le geste écolo de Fréquence Autisme. Super. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma petite boîte? Donc, les fameuses cartes Borel Mézenier, dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment un super site où on a toutes les billes pour pouvoir apprendre à lire et à écrire et à verbaliser. Et Fréquence Autisme vous met tout dans l'ordre pour vous donner toutes les chances d'y parvenir. Donc pareil, un super petit abécédaire. Moi je trouve qu'il est sympa. Et ça c'est quand on arrive à l'écriture cursive. Parce que là, c'est caractère d'imprimerie. Voilà. Donc voilà, je me suis fait une petite boîte avec tout ça. On continue dans les explications. Voilà. Il y a aussi un site qui s'appelle Lutin Bazar. J'adore ce site, il est super génial. Dans l'apprentissage de la lecture, où on peut sortir des fichiers, parce que par la suite, quand la personne arrivera à faire des syllabes puis des mots, ensuite, on peut faire des fichiers pour apprendre du vocabulaire. Donc, j'ai téléchargé ces petites fiches sur ce site Lutin Bazar qui sont super géniales. Moi, je trouvais qu'elles étaient superbes. Et au départ, moi, je pensais que c'était très ambitieux pour Rikitea de lire ça. Et quand il a enfin lu ces cartes-là, j'étais
comme si j'avais gagné au loto. C'est pareil. Donc voilà, donc Lutin Bazar. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'un site qui est sympa, Autisme et École Inclusif, où on peut aussi télécharger et fabriquer des supports visuels de Borel Maisoni et pour faire des syllabes. Et c'est sympa à faire. Je voulais vous parler d'un site coup de cœur de Fréquence Autisme, Dessine-moi une histoire, un super site où il y a des multiples supports visuels. Bon, alors c'est destiné à un public neurotypique, mais ensuite, Rikitea, quand il a appris à lire et à écrire, j'ai fait à fond ce site-là. Et je peux vous dire que c'est des super supports merveilleux, formidables, avec des lotos sonores, un loto des saisons de l'automne, il y a toutes les saisons, l'auto des formes, l'auto des couleurs qui est magnifique. Il y a même des lotos sonores sur les animaux, sur la musique, sur le bruit en général. Et l'auto des odeurs hein, qui est pas mal. Donc je vous conseille. Ah oui, il y a un loto sur les lettres. Et là, c'est pour les personnes dyslexiques pour voir le sens. Voilà, pour les confusions de sons, c'est génial. Donc, je vous conseille vivement d'aller visiter ce site qui est génial et d'aller vraiment aller chercher. C'est vraiment une mine d'or, ce site. Moi, j'y vais tout le temps pour voir s'il y a des nouveautés parce que j'ai appris des multiples choses à l'ITA par le biais de ce site. Même si des fois je dois un petit peu adapter, là, franchement, la pépite. Et c'est super. Pareil, un petit site qui s'appelle Monsieur Mathieu. Nous l'aimons beaucoup sur Fréquence Autisme. Il a même sa page Facebook. C'est assez sympa et c'est très rigolo. Apprendre en s'amusant. Nous, on adore sur Fréquence Autisme. C'est super. Voilà, comme notre ami Archimède Cracrouille de la précédente vidéo. Voilà. Donc, il est inutile de vous dire que avant d'apprendre les phonèmes, il faut savoir son alphabet. Donc, évidemment, il faut apprendre l'alphabet à la personne qui est en situation de handicap ou en difficulté, bien évidemment, parce que c'est complémentaire à l'apprentissage de la lecture. Donc, Rikitea, l'alphabet, c'est parti. A, B, C, D, E, doucement. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà, check. Très bien, voilà, l'alphabet, donc, avec support rugueux et toute astuce. Donc, d'ailleurs, dans le site que je vous ai parlé de lire et écrire, il y a une astuce pour fabriquer des supports rugueux pour les lettres de l'alphabet. Donc, il y a juste à regarder le site et il y a plein d'idées super géniales. On peut même avoir nous-mêmes des idées pour les fabriquer, etc. Je trouve que c'est super. Super. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer à quoi ressemblaient les petits abécédaires du site Lire. Lire, écrire, compter. Donc là, on a fait un atelier Rikitea avec de la colle et des paillettes. Voilà, paillettes achetées dans des magasins comme Centre Accor, Action, Cultura. Alors, c'est super ce petit site parce qu'en fait, on peut télécharger des pochoirs que l'on découpe comme ceci. Comme là, j'ai mon CDE. Et ensuite, avec du papier métallique que j'ai acheté dans les magasins que je viens de vous citer, je les ai collés sur l'abécédaire. Et vous voyez, au niveau sensoriel, c'est top. Hein, parce qu'ils recommandent d'imprimer sur du papier de verre. Hein. Moi, personnellement, je tiens mon imprimante. Alors, j'ai trouvé une autre solution, celle-là. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Rikitea, tu testes avec ton doigt, tu le sais. Si. Avec ton doigt. Si. Voilà. Côté des 20.
Escargot. Voilà, et en plus, je trouve que c'est très coloré, super ludique, atelier à faire en famille, super créative. Et après, si vous avez des idées, n'hésitez pas, c'est super sympa. Pour la discrimination des lettres, c'est super! Au départ, quand j'ai appris à lire et à écrire à RTTH, je suis tombée sur cette boîte et j'ai trouvé que c'était super. C'était des sons complexes. Et du coup, je lui avais déjà appris les sons simples. Et après, j'étais arrivée aux sons complexes. Elle est très bien, cette boîte, mais il a fallu vraiment passer par Borel Mezzoni pour RTTH parce que c'est un enfant dyslexique et hypoacousie au niveau des sons. Donc, j'ai dû le découvrir au fur et à mesure sans orthophoniste et en observant mon fils. Voilà, donc après, j'ai trouvé une super boîte avec des lettres rugueuses. Alors là, c'est avec les sons difficiles. Mais il existe des boîtes avec l'alphabet. Donc, moi, je conseille vraiment de s'y procurer. C'est assez génial. Ou de fabriquer, comme je vous ai dit, sur le site Lire et Écrire. Ensuite, qu'est-ce qu'on est passé par quoi, etc. On est passé par une autre boîte où on fabrique, enfin, on compose, pas on fabrique, on compose les mots. Donc, cette boîte était très bien, voilà, avec des mots par la suite qu'on peut reproduire avec des images. Et c'est super. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Rikitea? Donc, évidemment, quand j'ai commencé le Borel Mezzoni, moi, il n'y avait pas tout ça, les sites, etc. Parce que moi, ça fait 4 ans que je le fais avec Rikitea. C'est pour ça que vous voyez que le niveau de Rikitea est vachement bien, parce que ça fait 4 ans que je le fais avec lui. Il faut jamais rien lâcher, et c'est comme les praxis bucco-orofaciale, il ne faut pas arrêter, sinon régression, il y aura. Je voulais vous présenter ce livre, Bien lire et aimer lire. Donc ce livre, il est super parce qu'il explique beaucoup de choses. Ça va vous aider à apprendre à lire et à écrire à la personne qui est en difficulté. J'ai acheté un cahier d'exercice du même thème, mon cahier d'exercice pour bien lire et aimer lire. Et dedans, c'est comme des fichiers. Vous voyez, voilà, et donc je vais en faire avec Rikitea, je viens de l'acheter. Voilà, donc le niveau de Rikitea, plus il avance, plus il peut faire des supports qui sont destinés à des enfants neurotypiques. Rikitea est très à l'aise avec des fichiers maintenant de neurotypiques. Et pratiquement, j'adapte presque plus les choses, il les comprend tout de suite. Donc, je trouve que c'est super bien de généraliser, de faire plein de choses, car c'est comme ça qu'on progresse. Voilà, on continue pour les présentations de support. Donc, j'ai aussi acheté ceci pour Rikitea. C'est très sympa avec des lettres magnétiques. Donc, voilà, on met le petit dessin. Voilà. Mais la petite image et puis la personne écrit à côté. Qu'est-ce que c'est? C'est génial. C'est assez ludique et on aime beaucoup sur Fréquence Autisme. Voilà, après j'ai acheté aussi ce truc-là. Donc ça, c'est sympa. Il y a des mots mystères. On peut retourner avec des codes et c'est assez sympa. Il y a des mots mêlés qui sont super sympas. Voilà. Il y a aussi ça. Ça ressemble à... Comment dirais-je? Ça ressemble à comme un Scrabble, mais plus simple. Plus simple parce que il faut toujours que ce soit simple et jamais mettre la personne en difficulté. Tant qu'elle n'est pas à l'aise, on rajoute pas de difficulté. Donc voilà. Et encore un petit jeu magnétique où, pareil, on a des grilles avec des thèmes et on peut laisser le mot écrit, la personne reproduit et après on peut cacher avec des caches spéciaux et après on écrit le mot juste en voyant l'image. Et c'est super. Défi réussi. C'est super. Fréquence Autisme, c'est déjà terminé.
Si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, tapez « fréquence autisme » dans la barre des commentaires suivie de vos impressions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, likez, commentez, partagez, un grand max s'il vous plaît. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Force et courage à vous. Cartable, c'est fini, maman. J'ai fini, maman. J'ai fini.